Denied. Les nos films ont trois caractéristiques de la Première Guerre mondiale. Mais il faut que nous connaissions pour qui ça les États-Unis ont participé à la Première Guerre mondiale, mais c'était d'une façon indirecte. Avant la Première Guerre mondiale, diplomatiquement, il y a un accord qui était signé entre les États-Unis et l'Allemagne. Malheureusement, dans le mois avril 1917, un drame qui arrivait. C'est que bateau de guerre de l'Allemagne attaquait les navires marchands américains. Ça pral soulevait la colère des Américains. Le président à l'époque, c'était Woodrow Wilson. Woodrow Wilson qui sentit les États-Unis pas encore prêts pour rentrer dans une guerre. Mais États-Unis avec Angleterre comme deux pays alliés, États-Unis pral profiter aux côtés des alliés, aux côtés de la triple entente pour qu'elle participe dans la Première Guerre mondiale là. C'est comme si on était capable de dire pourquoi les États-Unis entrèrent dans la Première Guerre mondiale. La réponse est simple. Les États-Unis entrèrent dans la Première Guerre mondiale, c'est parce que les bateaux marchands américains ont été coulés par les bateaux de guerre de l'Allemagne en 1917. Voilà pourquoi les États-Unis entrèrent dans la Première Guerre mondiale aux côtés de la triple entente qu'on est en France, Angleterre, avec Russie. Mais il n'est pas rentré directement pour la bataille, mais il utilisait ressources que l'on a gagné, les armes, les l'argent, pour permettre au pays triple en tant que capable de remporter la victoire. C'est dans ce sens-là qu'il parlait de entrer en guerre des États-Unis lors de la Première Guerre mondiale. Toute guerre a des conséquences là-dedans. Des fois, les conséquences sont très très douloureuses. Ils ont quitté goût amer. Après la Première Guerre mondiale, l'on cherchait les conséquences de la Première Guerre mondiale. Sur le plan économique, la destruction des matériels considérables, l'accroissement de la dette des pays européens, le dollar américain est devenu la plus forte du monde. L'euro perd une partie de sa potentielle économique au profit des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis deviennent la première puissance économique du monde après la Première Guerre mondiale. Et lors de la Première Guerre mondiale, pays européens dépensaient environ 11 milliards de dollars dans la guerre. Ça veut dire la guerre totale. S'il gagne cause économique, les gains cause sociale. Sur le plan social, environ 10 millions de morts, 10 millions de monde perdent la vie lors de la Première Guerre mondiale. Et on peut assister aussi à la perte massive de la main-d'œuvre. En pile monde, pas besoin de travail, l'Europe ravagée par cette guerre dévastatrice, ça peut créer le chômage. Le vagabondage, délinquance juvénile, surtout en Europe. Et troisième conséquence de la Première Guerre mondiale, sur le plan politique, on peut assister à la modification de la carte de l'Europe. Deuxièmement, l'Allemagne est obligée de céder à la France, l'Alsace et la Lorraine sous la pression du traité de Versailles. Troisièmement, le démembrement de l'Empire austro-hongrois. On a aussi la disparition des quatre empires autoritaires ou bien centraux de l'Europe, l'Allemagne, Autriche, Hongrie, l'Empire ottoman
actuellement la Turquie, et enfin la Russie. On a aussi la création de la Société des Nations, SDN. SDN a été créée dans le but d'éviter une deuxième guerre mondiale. Parce que le traité de Versailles, qui a été signé le 20 juin 1919, c'est la fin de la Première Guerre mondiale. À travers ce traité, la SDN, Société des Nations, a pris l'essence pour mettre fin aux hostilités, pour rétablir l'ordre et la paix dans ce vieux monde, surtout le monde européen ravagé par cette guerre dévastatrice. Et enfin, le triomphe du socialisme en Russie. Parce que lors de la Première Guerre mondiale, il y a aussi de la Révolution russe. Mais nous ne pouvons pas rentrer dans la Révolution russe. Nous devons étudier uniquement la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918. Maintenant, après les conséquences de la Première Guerre mondiale. Au cours de cette guerre, il y avait beaucoup de traités qui ont été signés juste pour établir l'ordre et la paix dans le monde. Il y a le traité de Brest-Litovsk, le 3 mars 1918, entre la Russie et l'Allemagne. Comme conséquence de ce traité, c'est la création de la Finlande, l'Estonie, Lituanie et la Pologne. Après, on a le traité de Versailles, 20 juin 1919, avec l'Allemagne. On donne 4 obligations aux Allemands. 1. L'Allemagne doit céder 14% de ses territoires. 2. L'Allemagne doit réduire son effectif militaire. 3. L'internationalisation des grands fleuves allemands. 4. L'Allemagne doit reconnaître sa responsabilité dans le déclenchement de la guerre. On a aussi le traité de Saint-Germain-en-Laye, le traité de Sèvres, le traité de Trianon. Tout traité ça, c'est après la Première Guerre mondiale. Souba avait dit la Première Guerre mondiale, Kababrilil, la Grande Guerre. La Première Guerre mondiale, non seulement l'équité un goût amer, mais entre les pays de la Triple Entente et les pays de la Triple Alliance, entre deux groupes paysans, qui est-ce qui remportait la victoire? Eh bien, c'est pays de la Triple Entente qui remportait la victoire lors de la Première Guerre mondiale. Triple Entente, France, Angleterre, Russie. C'est eux-mêmes qui remportaient la guerre. L'Allemagne a perdu 60% de la population masculine après la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, SDN, qui était créé pour éviter normalement une deuxième guerre mondiale, ça n'a pas de chance qu'un pays. C'est ça que fait en 1927. Pour aller gagner 60 pays qui pourraient signer un pacte. On appelle ça le pacte de Brian-Kellor. En 1927, ils ont mis la guerre hors la loi. Je suis capable de considérer le pacte de Brian-Kellor comme véritable traité pour éviter une deuxième guerre mondiale. Première guerre mondiale, lui paraît une façon néfaste pour l'Europe. C'est ça qui fait que, quelqu'un qui a dit, pour qui sa guerre fait en Europe, surtout, et puis au deal, c'est guerre mondiale. Oui, elle est mondiale dans les conséquences, avec épidémie qui pourrait gagner dans le monde, non. Avec chômage qui pourrait créer, parce que Première Guerre mondiale pour le bail. Comme conséquence, la crise de 1929 qui prend le fait aux États-Unis, on l'autre chapitre que nous avons étudié dans la période de notre guerre. Donc, en résumé, nous présentons la Première Guerre mondiale
1914 à 1918. Mais tout, pour nous être attachés à la famille TDN Haïti Promo, mais JKL ou bien Junior qui est dans l'amour, technicien TDN, nous tout là, pour que nous permettions à tout le monde maîtriser l'histoire. Nous. Et nous avons garanti, depuis nous abonner sur YouTube avec la famille TDN Haïti Promo, pas d'un échec dans la science sociale, dans l'examen officiel pour l'élève de l'année. Quand on a quelques questions que je vais poser, et questions que je vais poser pour nous voir réponses, moi-même, pour que je sois capable de voir qui est qui gagne. Et il y a une pile prime qui gagne pour capable bailler. Prime yo pas bailler par WhatsApp, non. Mais c'est sur YouTube que nous baillons prime yo. Et c'est là que nous avons qui élève qui suivent nous tout bon vrai. Qui question que je vais poser? Je vais poser environ 3 questions. Et la question que je vais poser, c'est par rapport à ça que nous avons fait là. Mes premières questions. Pourquoi considère l'Angleterre comme le berceau de la révolution industrielle? Ma première question pour nous. Pourquoi considère l'Angleterre comme le berceau de la révolution industrielle? Deuxième question que m'a posée pour nous bien maîtriser réponse que nous allons voir moi-même dans pas YouTube, nous dit ouais pour nous voir réponse moi la facile pour nous-mêmes. Quelles sont les 3 caractéristiques de la Première Guerre mondiale? Quelles sont les 3 caractéristiques de la Première Guerre mondiale? Et troisième question que nous allons poser nous, nous allons faire un petit recherche tout, Alphonse chercher pour nous porter moi-même, bien que nous toujours faire ça pour nous mêmes oui, même si m'pa dit tout le bagage, toujours pour question m'a quitter pour nous. Dans pays triple entente Angleterre, France avec la Russie, aller chercher leader moi-même, leader la Russie, leader et la France et leader Angleterre lors de la Première Guerre mondiale. Fin avec 3 réponses à moi-même par YouTube. Et c'est là que n'a fait tout commentaire pour nous avoir toute réponse pour nous-mêmes. Merci à tous les élèves, à tous les amis qui ont suivi nous. Abonnez la page nous. C'est Média en ligne que nous y sommes. TDN Haïti pour nous. Mais JKL a dit nous, Kembela, nous tournons pour un autre thème. Pour l'autre chapitre. Merci.